Le bateau commence à ralentir sous le poids des cailloux ou des coquilles Saint-Jacques qui sont dans les dragues. À ce moment-là, ce que fait Clément, c'est qu'il enroule le gros moulinet que vous avez vu tout à l'heure jusqu'à ce que le bâton remonte à la surface. À ce moment-là, il est ramené par un jeu de câbles au centre du bateau, il est relevé hors de l'eau, puis basculé depuis l'arrière pour être vidé sur la plateforme qui se trouve tout à l'arrière de ce bateau. Et c'est à ce moment-là que commence une course contre la montre pour les matelots, parce que les bâtons sont immédiatement remis à l'eau. Je vous rappelle qu'on a que 3 heures pour pêcher, donc il faut optimiser ce temps. Et pendant qu'on repart pour un tour de pêche de 20 minutes, commence le tri des coquilles.